Des recommandations ont été faites dans le cadre du procès de Nairobi pour que le gouvernement congolais, les acteurs de la société civile, se passent sur la question d'exploitation illicite des ressources naturelles, afin justement de voir la possibilité de rompre ces liens et de contribuer à la résolution du conflit. De tout son gouvernement qui a présidé la cérémonie d'ouverture, mais qui a aussi délégué les ministres et les conseillers ainsi que ses collaborateurs pour participer activement à cet atelier. Il faut aussi noter que les participants ont répondu présents, ils viennent des territoires concernés par la transhumance animale, ils viennent de très loin, du plateau de Nemoué, Fizi, Kitongwe, Ditongwe. Ndio maana tuko hapa. Tungekuwa tuamini kama kuna solution itatoka tungekuja hapa. Tuko hapa ndio tunaamini solution itatoka. Kwa nini? Sababu kwanza tuko na wakuu viongozi wenye wana support hii process kwa kutoka ma territoire na hapa kwa jimbo la Sud Kivu. Umeona kikao kimefunguliwa na waziri ambaye amemwakilisha liwali wa jimbo. Hiyo ni alama moja yenye inatupatia nguvu. Sababu haya matatizo yenye iko liye ku transhumance hauwezi kuyatatua kama hauko pamoja na wakuu viongozi. Cha pili, kuna watu wengi wametoka ngambo na ngambo, ni wadau wa expert na wanatumika katika hii tatizo kwa muda wa kutosha. Wataangalia kwa kina sababu gani shida ya transhumance inaendelea. Bien sûr, vous savez que dans les recommandations au processus de Nairobi, il a été ressorti clairement que l'accès illicite aux ressources naturelles est une des sources de conflits au Sud Kivu et qui perdure ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et on a mis en exergue la transhumance, qui est un facteur qui a généré aussi beaucoup de violence. Et on est ici avec différents experts, avec les membres du gouvernement, avec les organisations de la société civile, des femmes leaders, des jeunes, qui essaient de réfléchir sur comment actualiser l'analyse du contexte et proposer des pistes et des solutions à différents niveaux, niveau local, provincial, national et régional. Clairement, ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de groupes armés qui sont alignés au processus de Nairobi actuellement, alignés au processus PDDRCS, et que dans les temps, ils étaient dans les maquis. Mais aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans des villages au sud du Sud Kivu parce que c'est une sorte de consigne qu'ils ont et ils ont la libre circulation, tout simplement sous réserve de faciliter l'action des humanitaires, sous réserve de ne pas attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Quand vous allez à Fizi, vous allez à Uvira, vous allez les trouver dans les villages. Ils vivent dans la communauté parce qu'ils sont alignés au processus de Nairobi et au programme PDDRCS. Non, le message est simple, nous sommes dans un État qui est gouverné, qui a des lois, et il faut respecter les lois, il faut respecter les règles de l'autorité établie à différents niveaux. Ça, c'est vraiment le premier message que je peux lancer. Le deuxième message, c'est que vous savez, l'Est de la RDC est dans une grande instabilité et que ça ne sert à rien d'augmenter déjà une situation fragile, d'autres conflits qui pourraient être résolus, même localement, à travers des mécanismes locaux traditionnels de résolution pacifique des conflits. Comme ça, ça réduit toute la vulnérabilité, les déplacements de population, les affrontements, alors que la situation
généralement au niveau socio-économique, elle est déjà déplorable. Donc on a besoin de la paix, on a besoin de la stabilité. Le message, c'est de dire il y a toujours des conflits entre les communautés et il y a aussi des possibilités, des mécanismes de résoudre ces conflits. Et je pense que c'est le plus important.